Nous sommes de retour une fois de plus avec Monsieur Trevor. Monsieur Trevor, voilà. Trevor, pas très fort, hein. Faut pas confondre le nom et la qualité. Regardez, il a même pas commencé depuis 2 minutes que Monsieur se permet de faire des sauts dans les. Il va frapper l'avion, c'est quoi? Mais pour qui il se prend? C'est pas possible. J'ai même pas le temps de rien voir du tout. Il était bien parti à conduire. Je disais très fort, pas fort. Très fort, pas fort. Et voilà. 2 secondes après, il commence à faire des conneries. Ah, voilà, là, c'est plus 2 secondes. C'est incompréhensif. C'est vraiment de la merde. Hein? Un gars de même au volant, c'est un danger public. Ben voilà. Et voilà, et encore voilà, et encore voilà. Il fallait s'y attendre. Ah, il est pas mort. Ah, je suis déçu. Parce que moi, j'aurais eu la paix. Hein? Ah, monsieur fait des pirouettes pour montrer que... Hein? Oh, regardons ça, Trevor. Eh ben, Trevor, ça, c'est très fort. S'attaquer à un tank, faut le faire. Faut vraiment avoir le complexe de supériorité. Hein? De se croire invincible. Oh, non. Là, c'est trop, là. Là, c'est vraiment trop, là. Hein? On lui tire dessus, on continue. Et, oh, non. Ça, là, je crois pas ça, là. Non, là, c'est vraiment, là, non. C'est inacceptable. Inacceptable! Trevor, le roi des connards! Trevor, ça suffit, Trevor! Au prix que ça coûte le matériel! Tout ça pour montrer que t'es plus fort que tout le monde? T'es pas plus fort que tout le monde, t'es plus con que tout le monde! Hein? Bon, hein? Voilà, hein? T'es saute de joie maintenant, t'es content, hein? T'es content, on saute de... Il va aller prendre un avion, gâche-tu? Non, y a pas d'avion ici. Oui, j'en vois un. Hey, ça, c'est s'envoyer en l'air, hein? Ça, c'est le cas de le dire, hein? Sauter jusqu'en haut du hangar, comme ça, redescendre, sans se faire mal. Hey, y a un avion, là! Bon. Hey, si t'as fallu que tu te rentres la pointe de l'avion dans le cul, tu aurais goûté, hein? Je te signale que la pointe de la carlingue, elle est pas mal pointue, hein? Iiii, que ça aurait fait mal, hein? Bon, à peine dans l'avion, il tire. Lui, il faut qu'il détruit tout sur son passage. C'est plus fort que lui. C'est un maniaque. C'est un maniaque mental. C'est un débile. Tiens. Oh là. Et il a encore pas mis sa chemise. Hein? Monsieur conduit l'avion, pas de chemise. Alors que tous les pilotes ont un uniforme. Mais non, lui, Trevor, il veut montrer ses muscles. Hein? Il est juste bon pour faire du mal aux autres. Bah, et voilà. Trevor, tu l'as dans le cul. T'as reçu un missile. Oh, mais vous êtes attaqué, Trevor. Est-ce que ça va bien se terminer? Je suis pas sûr. J'espère que vous avez votre parachute. Est-ce que Trevor a son... Non, pas de parachute pour Trevor! Et il tombe dans la... Ah! Il est tombé au fond de l'eau, mais c'était pas profond. Regarde, il est déjà remonté à la surface. Et qui est chanceux, ce mec. Il est chanceux. Il saute de joie encore. Il est content, il s'est pas noyé. Ah, ben... C'est pas un exercice, quoi. Hein? Oh! Mais c'est un hélicoptère. Après l'avion, l'hélicoptère, est-ce que Trevor va être plus chanceux ou plus con? Ah non, pour l'instant, il a l'air d'être capable de piloter. Trevor va-t-il décoller? Il a de la misère. Trevor, je ne sais pas trop par où passer. En avant, en arrière, à gauche. Ouais, non, Trevor, il l'a dans le cul, Trevor, il l'a dans le cul. Mais il est toujours vivant, et il est toujours vivant. Il n'a pas bougé de ma main, il est retombé dans l'eau à la même place. Hein? Là, il va arriver sur la plage. Puis il va encore se battre contre les moustiques ou les papillons. Hein? Ça, c'est sûr, faut s'attendre à ça. Hein? Bon, voilà, il respire un peu, il arrive sur la plage, et c'est à parier. Ah, l'hélicoptère arrive déjà. Ah, là, un petit culbut pour montrer qu'on est en forme. Ah ben non, tiens, monsieur a décidé de courir. Il s'entraîne pour les Jeux Olympiques, et voilà, c'est ça, je le savais. 2-3 petits coups dans les airs, hein, hop, l'hélicoptère apparaît. Il y a un autre qui arrive, 2 autres, oh, Trevor, t'es dans la merde, gna 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 gna, hein, bah les conneries c'est assez, hein, oh, mais vous êtes immortel, Trevor, immortel, 3e attaque, et toujours vivant, et ça c'est du stock, hein, alors Trevor, ah, il a décidé de se battre dans l'eau, hein, il fait ses exercices dans l'eau maintenant, hein. Qu'est-ce que tu veux? Pogner des poissons? Hein? Dans les airs? Ah, voilà. Une petite promenade dans les airs. Et ça, c'est sauter haut, ça. Wow! Oh. Je vois un bateau qui arrive. Est-ce que c'est un bateau avec des armes à bord? Non, monsieur préfère l'hélicoptère. J'ai rien compris, hein. Ben, tu l'as dans le cul.
Si tu penses qu'en hélicoptère t'es protégé, ben tu le n'as. Mais l'homme le plus fort du monde descend de l'hélicoptère en flammes, mais il est intelligent, il saute dans l'eau au cas où que monsieur aurait pris feu, et ah! Ah ouais, t'as beau ben être frustré, hein? Ça fait mal, ça. Hein? Ça fait mal. Frustré de même, là. Voilà, on se calme, on marche à pied, il réfléchit. Et Trevor était tanné de se faire attaquer par des attaques aériennes, a décidé de changer de style complètement, de technique, et il a décidé de prendre une voiture, peut-être même deux, en tout cas pour l'instant, mais il continue à faire le con. Ça, c'est certain. Trevor ne sait pas conduire, il n'a pas appris, il continue à faire le cave sur les routes, on roule à gauche, on roule à droite, on rentre dans le cul des autres voitures, c'est pas grave. Eh ben, Trevor est étonné, voilà, il fait de la cascade, il saute, débarque du char en pleine circulation, en pleine vitesse, saute, les voitures s'arrêtent pour éviter un accident, lui, il en profite pour embarquer dans les autres voitures, de faire le cave, et ah là là là, il se prend vraiment pour un autre, hein. Oh, 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 il y en a un autre qui s'arrête, eh ben, voilà, hey, touche pas mon char, toi, hein, hey, hey, tu veux te battre, hein, tiens, prends en plein la gueule. Attends, tiens mon Trevor, tiens, allez, tiens, ah, mes couilles, oh, excusez mon, ah, monsieur a sorti son couteau, mais c'est pas vrai, il a attaqué, il brisait les côtes, ah, c'est un criminel, il faut l'arrêter, c'est un fou, il faut l'emprisonner, ce maniaque, le torturer, le faire souffrir, parce que ça n'a pas d'allure. Hein, et beau saut en haut, hey, des fils électriques, normalement, t'aurais dû être électrocuté, hein. Ça fait mal de tomber, hein. Ah! L'ambulance est pour aller à l'hôpital, c'est pas pour se frapper par le véhicule. Mais il est vraiment con. Ah! Ah, je viens de comprendre. À force de recevoir des coups sur la tête, Trevor ne voit plus très clair. Il ne sait plus trop où il se dirige. Ah! Ça fait mal. Hein? T'es même pas capable d'amortir ton choc en tombant sur l'ambulance et non à côté de l'ambulance. Oh là là là, lui il est écrasé vraiment ben comme il faut, hein. Yeah. Ben oui, tu veux blablabla, hein, blablabla, hein. Hein? Comment ça va finir? Comment ça... Oh, qui a pas l'air content encore. Il est jamais content, cet homme-là, d'abord, de toute façon. Trevor, t'as l'air d'un con, t'as l'air d'un frustré, gna 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 gna. Ben oui, hein. On dirait que t'en as fumé du bon, hein. Ouais, t'es pacté. Ah, et ça recommence. La maudite manie d'embarquer sur les collines au bord des routes. Hey, oui, tu peux bien gueuler tant que tu veux, ça fait mal. Hein? Tiens, toi, la bombe là, ça a redescendu la côte toute seule. Je gâche qu'il va retourner dedans. Ah, bon, hey, là, t'es content, t'as réussi à tomber dessus. Ça t'a vraiment pas arrangé le cerveau, hein? Non. Ben oui, bébé, allez, fais ton spectacle, bravo. Trevor, t'es pas fait en or. Oh, beau jeu de mots, Gérard. Hein? Alors, que va-t-il? Ben, c'est ça, il recommence à faire le con. Ben, il continue, l'ambulance est virée à l'envers, on se retrouve sur la route, la police s'en vient, mais c'est comme s'il n'y en avait pas. Oh, je vois de l'eau au bout, à l'horizon. Voilà, en haut de la côte, il va partir à descendre, ça c'est sûr. Ah non, il a décidé de descendre. Il est pas content. Là, il est mal pris. Oh, un beau saut périlleux. Double saut périlleux. Quatre tours. Encore, on s'en fout. Et voilà. Et on descend la pointe. Oh, quelle belle culbute. Oh, quel beau spectacle. Hein? Oh, ben voilà. Ça devait arriver. Ça a été long, mais t'as fini par crever. Hein? Félicitations, enfin on est bien débarrassé de toi. Jusqu'à la prochaine fois. Salut, bon voyage.